Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous saluons à soi une fois de plus dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est avec un réel plaisir, nous comptons pour nous capables de retrouver sur la plateforme ça, pour nous manger ensemble la parole de Dieu dans l'émission ça qui passe chaque mercredi soir. Donc nous souhaitons que vous êtes branché devant un petit écran et vous suivez ensemble avec nous et qui instruction que le Seigneur a voyé pour nous à soi. Donc, sans plus tarder, on allait dans la prière. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour compassion, merci pour miséricorde. Dieu Tout-Puissant, assois nous porter devant étude ça. Nous pas qu'à faire rien de par nous-mêmes, mais nous supplier miséricorde au Seigneur pour avec nous. Nous supplier miséricorde au Seigneur, bon Dieu, pour l'ouvrir que chaque monde qui attendait à soi. Convaincu au Seigneur du péché, de la justice de Dieu, du jugement à venir. Seigneur, nous comptons sur vous. Je ne peux pas faire rien de par moi-même. Même compter sur présence, sur onction. Glorifier Saint-Noël, au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, rappelez-nous, nous avons plus de presque deux mois depuis que nous avons entamé ce sujet ça sur le Saint-Esprit. Donc, il y a plusieurs facettes que nous avons déjà qui ont Saint-Esprit fonctionné. Mais à soi, n'est-ce pas, nous parlons de la conviction produite par l'Esprit, le péché contre le Saint-Esprit. Donc, ces séries, ça n'a pas abordé à soi. La conviction produite par l'Esprit, le péché contre le Saint-Esprit. Donc, avant même que nous rentrions dans l'étude, ça, on nous fait lecture d'abord dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Du verset 7 jusqu'au verset 15. Jean 16, du verset 7 jusqu'au verset 15. Il dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, pardon, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Parole du Seigneur. Donc, rappelez-nous le titre, c'est la conviction produite par l'Esprit, le péché contre le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous, sans la présence du Saint-Esprit dans la vie au monde, ou pas capable de servir mon Dieu. Et sans présence du Saint-Esprit, ou pas, n'est-ce pas, une conviction qu'on fait ça qui mal. C'est ça qui fait différence entre monde qui dehors, qui par contre Jésus, avec monde qui connaît Jésus. Le monde, bon Dieu, n'est-ce pas, il prédestine le monde pour être sauvé. Eh bien, le monde, dans le jour que le monde est fixé, eh bien, Saint-Esprit, n'est-ce pas, a convaincu le monde, l'a parlé avec le monde. Et, n'est-ce pas, le monde a senti dans lequel ils sont coupables.
Donc, nous allons regarder d'abord ça que dit l'œuvre de conviction. Donc, nous allons d'abord étudier ça, bien aimé. Qui ça, n'est-ce pas, Saint-Esprit capable d'accomplir avant toute bagarre dans le cœur d'un homme qui n'est pas sauvé, non monde qui est converti? D'abord, Saint-Esprit, ça l'a fait. Lorsqu'on connaît Jésus, le Saint-Esprit a convaincu de péché. Pas jamais oublié ça. Donc, il fait déclaration, il dit, quand il sera venu, à savoir le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, Jésus-Christ fait une déclaration là, son déclaration, n'est-ce pas, qui est vraiment extraordinaire. Il dit, Saint-Esprit, là, il va venir, eh bien, il va convaincre le monde. Monde, n'est-ce pas, qui pour sauver, monde, n'est-ce pas, qui attendait. D'abord, même le monde n'est pas disposé, il n'a pas voulu, il a refusé. Mais Saint-Esprit a convaincu, il a dit que, n'est-ce pas, ils sont pécheurs. Il a rendu compte que ils sont pécheurs, bien-aimés. Donc, c'est pour montrer, sans présence Saint-Esprit, ou pas qu'à convertir, ou pas qu'à accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, parce que c'est Saint-Esprit qui peut faire travail là, qui peut convaincre, pour persuader qu'ils sont pécheurs, et qu'on pas qu'à, n'est-ce pas, aller dans le ciel, si que, n'est-ce pas, on prend ou pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Donc, il est évident que l'homme doit reconnaître son état de péché et de perdition avant de pouvoir accepter le sauveur qui l'en délivre. Très, très important. Donc, on doit reconnaître d'abord que ou son péché, état de péché et de perdition. Ça veut dire que faut rendre compte que, n'est-ce pas, on prend ou son péché, ou pas bon, maintenant, non seulement pas bon, ou qu'a perdu la vie éternelle, ou qu'a pas sauvé. C'est pour rendre compte de l'état ça. Mais pour rendre compte de l'état ça, il faut que Saint-Esprit, n'est-ce pas, on prenne vivre en dedans, convaincu qu'on est pécheur, convaincu que la vie n'est pas propre aux yeux de Dieu. Bien-aimé. Dans Marc 2, le verset 17, le Saint-Esprit, il convainc le monde de péché, il convainc le monde du péché. Il faut sentir qu'on n'est pas bon. Il faut sentir, n'est-ce pas, devant Dieu, au coupable. Et ceci, c'est tous les hommes. C'est tous les hommes. Il faut rendre compte que ou pas bon, ou coupable. Ou besoin de monde qui peut sauver ou non sauver là. Donc, il n'en est aucun auquel il ne fasse sentir sa culpabilité. Quel que soit être humain qui existait sur la face de la terre, eh bien, mon nom, en quelque sorte, l'exposer à l'évangile, Saint-Esprit a convaincu. Même le, par exemple, là, où on a nos émissions, on prend un prédicateur qui a prêché un évangéliste, et puis ou devant petit et qu'on a regardé mon nom qui a prêché. Mon n'a pas converti, il n'a pas accepté Jésus, et puis il a passé, il attendait mon qui a parlé. Mais, là, il a parlé à Saint-Esprit qui a convaincu mon nom pour le faire sentir sa cap dit, dans la ville, vrai, le pas bon, vrai, il coupable. Très, très important. Et ça fait, bien aimé, l'homme absent excuse, bien aimé. L'absent excuse, parce qu'il sentit culpabilité. Soit par les Saintes Écritures, mon nom, on lecture qui a fait, et puis Saint-Esprit convainc dans mon. Ça part en niveau, bien aimé. Saint-Esprit convainc ou d'un bagage qui n'est pas bon dans la vous. Ou du moins, c'est pas conscience ou. Vous comprenez? Lors, il y a Romains 2. On regarde Romains 2. Romains 2, n'est-ce pas? Les versets 14 et 15. On regarde qui sa parole, bon Dieu dit. Dans Romains chapitre 2, les versets 14 et 15. Il dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi. Ils ont, n'est-ce pas, excusez-moi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc, l'autre a voulu lire le passage en créole, il dit, moun qui pas sauvé, moun qui est converti, moun qui pas un héros, qui est étranger à la vie de Dieu. Et, qui pas gagne la parole, qui pas gagne la loi dans la vie, parole bon Dieu. Yo fait naturellement qui ça la loi demandé. Ça veut dire que yo pratique ça bon Dieu dit, tandis que yo pas même gagne la loi même. Eh bien, il dit, moun za yo, n'est-ce pas, yo gon loi pour propre tête yo. Yo montre ainsi que la loi de Dieu, li écrit dans cœur yo. Ça veut dire que li en dans moun nan. Li en dans moun nan. Et, n'est-ce pas, nous sommes en dans moun nan, conscience ça, li rend ni témoignage.
que, n'est-ce pas, on peut en penser à accuser. C'est ça qui est bien aimé. C'est même gens, l'homme ou font crime, l'homme ou bien menti, même le monde, n'est-ce pas, il pas accepter Jésus. Mais conscience ça en dedans, il reproche elle. Il n'y a pas de conscience en dedans, reproche elle. Il y a des gens qui font abus, des gens qui parlent mal, des gens qui font perdre du travail. Par exemple, là, un jeune garçon, on prend ou alors violent ton petit monde. Un petit sauve, les consciences ne sont pas accusées. Ou qu'on ne soit fait pas bon. Généralement, c'est conscience qui est accusée. Le, par exemple, pour offrir l'évangile ou accepter Jésus. Ou un monde n'a pas avlé, il n'a pas d'accord, la régime. C'est parce qu'il n'a pas avlé pour convaincre. Il sentit que ça, c'est ça. C'est vérité, mais elle pas avoir conviction, elle pas avoir admettre que ça ou dit c'est pas c'est vrai, mais et pourtant dans que elle connaît c'est vrai. Et ça fait l'homme absent excuse bien-aimé. L'homme absent excuse, pas jamais oublier ça. Donc remarquez ici dans le passage là, le mot péché. L'homme lit dans Jean chapitre 16, n'a tourné dans le passage ça encore. Jean chapitre 16, n'est-ce pas? Les versets 8 et 9. Remarquez, il montre l'expression péché lié au singulier et non au pluriel. Très, très important. L'Esprit de Dieu révèle ici à l'homme qu'il est perdu, non parce qu'il a commis certaines fautes hein, ou même certains crimes. En effet, Dieu, dans sa parole, promet à qui veut croire le pardon de tous les péchés. Donc, si ça veut dire, si vos péchés sont comme le cramoisi, eh bien, il y a vini blanc comme la neige. Non, l'homme est condamné devant Dieu. Non parce qu'il est pécheur. Tendez-vous bien. Ou condamné devant mon Dieu, pas parce que ou sont pécheurs seulement, non. Mais parce que, étant pécheur, ou pas voulu quoi. Il n'a pas voulu croire au Sauveur et accepter son pardon. C'est gros cause qu'il a dit là. Oui. L'homme est condamné devant Dieu, non parce qu'il est pécheur, mais parce qu'étant pécheur, il n'a pas voulu croire au Sauveur et accepter son pardon. C'est plus gros péché au nom de commettre, bien aimé. Ou qu'a fait crime, ou qu'a fait méchanceté, pas bien, je me montre ici, dans Jean 16, 8, 9, il montre l'expression péché, il n'a pas dit les péchés, nos péchés. Il dit péché, la convaincu de péché, de la justice de Dieu et du jugement à venir. Donc ici, il montre le mot péché, il dit au singulier, il dit pas au pluriel. Donc l'Esprit bon Dieu révélé à l'homme que le perdu, c'est pas menti. Donc c'est pour péché, nous, Jésus mourit. Mais ici, il montre le mot péché, il dit au singulier. Très important. Donc, l'homme est condamné devant Dieu, non parce qu'il est pécheur, mais parce qu'étant pécheur, il n'a pas voulu croire au Sauveur et accepter son pardon. C'est ça qui fait nous condamner devant Dieu. Il connaît ses pécheurs, nous, oui, mais il connaît en tant que pécheur, n'est-ce pas, nous pas voulu croire, ou obstiner, ou fermer un cœur, que a endurci, que a pas accepté. À chaque fois, n'est-ce pas, il entend des messages par le bon Dieu, et puis il ne peut pas accepter, il ne peut pas accepter, que a endurci, il vient du. Hein? Ils peuvent accepter le pardon de Dieu. Donc, ce qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous causez, bien aimé. Moun qui pas cru, il est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru non, non, petit bon Dieu, en seul petit que le Jésus-Christ. Très, très important. Donc, lors de Jean 3, verset 18, on date qui sale parler de l'incrédulité en face, n'est-ce pas? On garde pour nous, bien-aimés. Jean 3, le verset 18. Jean 3, le verset 18. M'appelle-le pour. Non, Jean 3, le verset 18. On garde qui sa parole, bon Dieu dit, bien-aimés. Ouvrez la Bible ensemble avec moi dans Jean 3, le verset 18. Il dit, celui qui croit en lui, à savoir en Jésus-Christ, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas, est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Moun qui croit dans Jésus-Christ, elle pas dit pas jugé. Point. Bon Dieu pas juger moun. Dès que croit dans Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ comme son personnel ou pas prêt aller en jugement. Mais et ça le dit bien aimé. Mais moun qui pas croit, moun qui obstiné, moun n'est pas qui incrédule, moun qui refuse croire, eh bien moun ça a déjà condamné. Parce que le juger, de vous juger, n'est-ce pas, bon Dieu, juger ou condamner, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, pour être sauvé, d'abord, c'est cet esprit qui peut convaincre la conviction du péché dans l'homme. Cet esprit a convaincu où sont coupables.
Et qu'on y a la culpabilité, ça, c'est lui-même, n'est-ce pas, Saint-Esprit, c'est lui avec lui pour persuader, pour repentir et pour accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Donc, ce n'est pas moi qui dis, c'est parole bon Dieu qui dit. Il dit, moun qui croit dans Jésus-Christ, hein, li pas jugé. Avec dit que bon Dieu, pas condamné, l'a sauvé. De pourquoi? Si tu crois. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus-Christ, li pas perdu, l'a sauvé, l'a bien la vie, ne périsse point. Ça veut dire que ou pas périr, ou pas prêt à aller en enfer. Mais moun sa, li gagne la vie éternelle. Il n'aura pas la vie éternelle, il a la vie éternelle. Automatiquement accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, ou, eh bien, dans l'immédiat, le salut rentre la caillou. Ou sauver bien-aimé. C'est ça, bon Dieu promet l'homme. Ok? Donc, il dit que moun qui pas quoi, li déjà jugé, parce que le pas quoi non Jésus-Christ. Donc, très important déclaration ça. Donc, ici, nous, dans Jean 3, 18, il parlait de l'incrédulité. Les moun pas vle quoi. Bien-aimé, l'incrédulité en face de Jésus-Christ est donc le péché le plus grave qu'un homme puisse commettre. Quoi causer? Le péché de l'incrédulité est donc le péché le plus grave, l'opakoya, hein, qu'un homme puisse commettre. Ce péché ne peut être pardonné, puisqu'il consiste précisément dans le refus volontaire et obstiné du pardon. Nous n'avons pas voulu accepter le pardon de Dieu. Très important. Donc, ce péché-là, il n'est pas qu'à pardonner. Pour qui ça? Parce que moun, n'est-ce pas, on prend l'obstiné, n'est-ce pas, il fait tête, il dure, il refuse, n'est-ce pas, on prend volontairement le pardon de Dieu. À ne pas oublier que Dieu, bien-aimé, n'obligera jamais à croire les hommes qui s'y refusent. Car il les a créés libres. Bon Dieu, pas on, n'est-ce pas, un tyran. Il n'est pas force, non? Il n'est pas obligé, il nous l'exige, il vous servir. Non. C'est à vous de décider, de choisir. Ou faire choix de Jésus, eh bien, ou pas périr, ou pas aller en enfer, ou pas aller dans le ciel. Mais ou refuser, ou pas accepter Christ, ou venir incrédule, que la vie endurci, eh bien, ça passe. Pas de salut pour vous. Et bon Dieu, pas bailler l'autre monde pour sauver. On prend libre préciser maintenant qui est pourquoi pour sauver. Il parle de pourquoi dans la religion. Il parle de pourquoi dans la dénomination. Il parle de pourquoi dans la philosophie des hommes. Il parle de ces diplômes pour gagner, pour sauver. Il parle de pourquoi dans le protestantisme, dans le catholicisme, dans le vaudou, dans l'hindouisme. Mais bon Dieu m'a dit pourquoi dans le monde, dans Jésus-Christ, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, nous, un péché qui est plus grave comme nous avons commis, bien aimé. C'est lorsque moun sa, n'est-ce pas, hein, li, n'est-ce pas, bon Dieu pas pardonné parce que péché là consistait précisément dans le refus volontaire, c'est volontairement, moun n'a pas voulu accepter le pardon de Dieu. Et puisque bon Dieu a pris les moun n'a pas voulu venir, il dit qu'il y a l'évangile, il va venir, ok, c'est ça. Ça passe. Autant de fois le refuser, autant de fois le pas accepter, autant de fois le fermer cœur, c'est autant de fois le vin endurci. Le cœur a vint endurci, ça vient passer. L'Esprit bon Dieu vient pas qu'à jouer un côté encore, il ira à l'école. Et là, il ira à l'école. Ou fini. Ou pas même prendre conscience même de gravité situation. Très important. Ou pas faire n'importe qui bagaille, ça pas faire ni chaud ni froid. Moun n'est pas qu'à servir bon Dieu, là, ou quel fait le mal, la prier pour vous. Ou même, on pas voir ça du tout. Parce que bon Dieu a abandonné. Attention, bien aimé. Ok. Donc, très, très important. Pas jamais oublier ça, me sautit là. Deuxièmement, non seulement l'Esprit me saute, mais le Saint-Esprit qui ça le fait d'abord, lui, n'est-ce pas, convaincu de péché. En d'autres termes, bien aimé, pour sauver, c'est cet esprit pour convaincre. Le par exemple, n'est-ce pas, yon moun, ou invite l'on croisade, ou invite à l'église, et puis, prédicateur a prêché. Moun nan chita l'aptande. Mais moun nan, n'est-ce pas, li ka kwè, li ka pa vle kwè. S'il kwè, bien-aimé, l'accepte Jésus, l'ap sauvé. Mais s'il pa kwè tout, li pa sauvé. Et moun sa ap sans excuse, parce que lèl tap tan des messages à côté de chita, cet esprit convainc nan mni que ça ap di a c'est vrai. Li konnen c'est vrai, oui. Et ça fait Bible dit, Jésus-Christ dit, ou pa yon moun ka viv dans ténèbres, yo pa vle dans la lumière. Parce que œuvre pour l'exposer. On voit que des monde l'invite à venir à l'église,
Gen bagay prédicateur Saint-Esprit inspiré pour le dire. Moun nan tan des messages là, parole la pique keul parce que ça a dit al kon fè le vrai. Donc li pas disposé pour le repentir, li vle fè mal là toujours. C'est problème ça gagne, ça fait moun sa s'excuse. Ou même kap tande m a soi ça, laissez-moi faut connait. Combien de fois Jésus a frappé dans porte cœur ou pas répondre. Ou obstiné, ou entêté, ou pas vle. Plus ou endurci, plus ou pas vle tande, plus ou refusé, ou pas vle croire dans Jésus, ou pas accepter Jésus, cœur a vin endurci. Et gon le cas privé, bon Dieu a viré de bord. Et le sa frère, rien pas réglé pour vous, pas gen salut. Puis gon joue avec salut ça. Puis gon joue, n'est-ce pas, avec sans Jésus-Christ qui est versé à la croix. Puis gon joue avec non Jésus-Christ. C'est gros causé, bien aimé. Donc d'abord, cet esprit l'a convaincu de péché. C'est pas philosophie qui a convaincu de péché. C'est parce que oui, bon, t'as l'école, m'instruit, on prend une carte refutée, une carte ceci. Non, ça, tout ça, c'est la dot. C'est cet esprit pour convaincre nan mou, pour le forwer tao, pour le dire pas bon, pour le dire mon cher ou son pédéras, faut repentir, pour le dire non, son lesbienne, faut repentir, pour le dire non, ou son magouille, faut, pour le dire non, ou son assassin, ou tuer trop pour nous faire trop de crimes, sous pas repentir, n'est-ce pas, ou pas sauver, pour le dire non, ou faire trop, n'est-ce pas, sacré les dilatations. Pour dire non, docteur, on prend ou rachète trois petits mounes dans votre monde. Faut repentir. C'est Saint-Esprit convaincu. Hein? Les convaincu de faiblesse ou le convaincu que ça fait ou pas bon. Les convaincu qu'il n'y a pas qu'à faire en tant que monde bon Dieu. C'est convaincu, les convaincu. Et que c'est conviction ça qui porte à la repentance. J'ai dit, mais pas jamais oublier ça. Deuxièmement, cet esprit, l'esprit convainc ensuite de justice. Cet esprit a convaincu de la justice de Dieu. Parce que, mais ça Jésus-Christ dit, je vais au Père et que vous ne me verrez plus. M'pral joindre papa, l'olin en Jean 16, n'est-ce pas? Jésus-Christ dit, m'pral joindre papa et nous-mêmes, nous pas pourrons encore. Pas oublier. Bible dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Moun qui gagne innocente, moun qui pas juré pour tromper, il obtiendra la bénédiction de son Dieu. Maintenant, n'est-ce pas, ou justifié, c'est pas parce que ou justifié, non. C'est bon Dieu, n'est-ce pas, qui justifie. Parce que, even même là dans l'Évangile, ou gagne conscience péché en dedans, ou conscience pas propre, ou conscience fait bah, qui pas bon aux yeux de Dieu. Donc, son déclaration légale liée, ou justifiée, n'est-ce pas, au travers du sang de Jésus. Jésus-Christ a payé le prix sur le bois du calvaire. Donc, par conséquent, on prend, ou pas gagné, n'est-ce pas, ou doué encore. Parce que d'être là payé, le rachat de votre âme, Jésus-Christ payé priant, par le sang du sacrifice, sans sacré versé à la croix. Donc, maintenant, cet esprit qui s'en fout, deuxièmement, les convaincre de la justice. En tout thème, de la droiture. C'est lui qui a montré que vous n'avez pas de justice dans vous. Lui convainc que vous n'avez pas de qui bon dans vous. L'esprit ne montre pas seulement à l'homme sa perdition. Il lui révèle en même temps Jésus-Christ, dont la justice et la divinité sont démontrées par sa résurrection et son retour au Père. C'est ça qui prouve, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est la justice de Dieu. C'est ça fait appel Esaïe dit, n'est-ce pas? Mon salut et ma justice, mon salut, ma justice ne tardera pas à venir. La justice de Dieu, Jésus-Christ est la justice de Dieu. Tout le monde qui croit dans Jésus, eh bien, bon Dieu justifie à travers Jésus. Nous, c'est justice, bon Dieu, en Jésus-Christ. Donc, au justifier, c'est pas parce qu'on fait bon bagaille. Mais Jésus-Christ, n'est-ce pas, on prend son déclaration légale liée. C'est même Jean Youmoun, n'est-ce pas, ou aller dans le tribunal. Et puis, jugement, au grand avocat qui a plaidé pour. Mais, en réalité, ou fait bagarre à vos coupables. Mais, juré, même juré, il a déterminé, on prend. Il a dit, monsieur, on n'a pas fait le vrai. Donc, de ce fait, n'est-ce pas, il faut que mon aller libre. Mais, mon inconscient que le coupable, le péché vrai. Donc, légalement, il faut que mon avis innocent. Il n'est pas coupable encore, puisque il dit qu'il n'a pas fait bagala, tandis que le fait le vrai. C'est ça Jésus-Christ fait pour m'avoir, bien aimé.
au travers du sang de Jésus, nous justifier. Donc, le bon Dieu garde nous, lui, ouais, nous, c'est mon qui propre, qui clean, tandis qu'en réalité, nous pas clean vrai. Nous plaît avec fatra, nous plaît avec péché, nous plaît avec faiblesse, nous plaît avec impudicité, nous plaît avec immoralité, nous plaît avec mensonge, avec ruse, avec hypocrisie, avec orgueil, avec fierté, nous croyons son affaire. Nous croyons, on voit. Donc, Jésus-Christ qui ça le fait, lui vient faire nos justices, bon Dieu, en lui-même. Parce que t'es payé prière, il te prend place, nous, à la croix. Ça crée la méthode de substitution. Donc, il lui révèle en même temps Jésus-Christ, dont la justice et la divinité sont démontrées par sa résurrection et son retour au Père. Très important, ça m'a dit là, bien aimé. Si Jésus-Christ n'a pas ressuscité des morts, bien aimé, c'est à pour preuve que Jésus-Christ n'est pas juste aux yeux de Dieu. Ville tape, mais n'est pas de propre. C'est preuve que Jésus-Christ est Dieu. Et, n'est-ce pas, lui retourner auprès du Père, c'est si, n'est-ce pas, qu'il pouvait, non seulement sa divinité, mais il était juste aux yeux de Dieu. Jésus-Christ pas de péché dans lui. En lui, il n'y avait point d'iniquité. L'iniquité, c'est une œuvre qui mauvaise en lui-même. Que Bible a déclaré, que Bible a pas écrit là-dedans, il n'a pas écrit dans la Bible là, mais conscience ou nous le pas bon. Très, très important. Il y a des choses qui pas écrit dans la Bible. Mais on pas bien excuse parce que cœur condamné ou conscience ou condamné ou il faut qu'on ait bagarre là pas bon. Ça m'a dit ou fait expérience là. Gen bagarre qui pas écrit dans Bible mais l'on fait le cœur sauter ou sentir pas bon. Donc de ce fait, on va venir moun vinn dou ni un prédicateur vinn dou ni pour dormir ni pour faire songe mon connan don ça bagarre là pas bon. Gen action pose ou sentir pas bon. L'on fin fait l'on prendre, il faut mal ou connait pas bon. Moun kap masturbe, moun ne connait pas bon. Après elle fait la conscience li. You know, moun ki tue moun, li konnen ko tue, meurt pas bon, en dan dérangé, très important. Donc, li sentil pas juste. C'est ça lié, oui, bien aimé. Moun ka bay menti sou moun. Hein? Donc, moun nan senti, n'est-ce pas, li pas dans la justice, li pas dans la droiture. Donc, par la résurrection de Jésus-Christ et son retour au Père, c'est preuve que Jésus-Christ est l'homme juste. Parce qu'on pas qu'à monter sous montagne, papa bon Dieu, sous pas juste, sous pas propre. Et si Christ pas juste, bien aimé, il pas t'a ressuscité des morts. C'est gros cause qu'a parlé là, oui. Il t'a prêté dans ton bois, bien aimé. Mais béni soit l'Éternel, Jésus-Christ pas de péché dans lui. Il était propre, il était pur, bien aimé. Donc Dieu produit ainsi, dans le cœur sincère et repentant, la conviction que Jésus est bien le Sauveur, qui juste lui-même, rend juste ceux dont la foi repose en lui. Au Jean Sanao, Romains 5, 19. De plus que Jésus-Christ lit juste, n'est-ce pas? Lit produit dans le cœur monde qui sincère là, dans le cœur sincère, et repentant, la conviction que Jésus est bien le Sauveur. C'est ça, Saint-Esprit fait. Lit convaincu, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ, c'est justice même liée. Donc, puisque c'est comme ça, il faut prendre conscience et ou même, non, même, ou venir nous juste ceux dont la foi repose en Jésus-Christ. Moun, n'est-ce pas, qui repose et confie en Jésus-Christ, eh bien, ou justifié parce qu'on croit dans petit bon Dieu. Là. Très important, bien aimé. Ok. Donc, dans Romains 5, verset 19, on garde sa parole, bon Dieu dit. Romains 5, le verset 19. Romains 5, le verset 19. Il dit, car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Mais comme par la désobéissance d'un seul homme, à savoir Adam, le premier Adam, eh bien, beaucoup, n'est-ce pas, ont été rendus pécheurs. Donc, pas oublier, à travers Adam, l'humanité entière, n'est-ce pas, notre sensibilité doit périr. L'universalité du péché. Donc, Adam, n'est-ce pas, on prend les péchés, mettons nos péchés à travers Adam, bien aimé. Très important. Toute la race humaine sortit dans Adam. Le Adam péché, à nous tout péché tout, bien aimé. Très important. Donc, c'est ça que fait, l'on lit passage là, dans Romains 5, le verset 19. Il dit ça, il dit, car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. C'est par rapport à Adam
n'est-ce pas, nous tous qui t'es péché, Adam t'es péché, eh bien, nous hérité péché ça, dans Adam, bien-aimé. Tout homme est pécheur. Donc, pour sauver du péché, il a fallu, n'est-ce pas, que le second Adam, t'es vint sur la terre, il t'es pris naissance dans votre femme, maintenant, il t'es grandi pour t'es qu'à payer prière pour nous, pour t'es qu'à rendre nous juste. Très important. Donc, il dit ainsi, de même par l'obéissance d'un seul, à savoir Jésus-Christ qui t'est obéi, il dit, me voici au Père pour faire ta volonté. Et papa a formé un corps pour lui. Jésus-Christ vient habiter dans la chair. Jésus-Christ paye et pria sur le bois du calvaire. Sans t'écouler. Pour être capable de sauver nous. Pour être capable de délivrer nous, bien-aimés. Donc, ainsi, puisque, n'est-ce pas, il fait le constat. Garde dans verset 18, là, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Par une seule offense. Intrusion de la volonté propre. Dans un domaine strictement réservé à Dieu, et ça crée l'offense. Maintenant, il dit, donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Adam t'est offensé, bon Dieu. Eh bien, puisque l'offense, bon Dieu, les péchés, les condamnés. Eh bien, condamnation, pas seulement arrêté sur Adam, mais sur tous les hommes, ni étant ni sur tous les hommes, bien-aimés. Donc, c'est de même, n'est-ce pas, par un seul acte de justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Puisque Jésus-Christ est d'accord pour le payer prière, qui c'est un acte de justice, eh bien, de ce fait-là, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Par rapport à Jésus-Christ qui t'est payé prière pour nous, eh bien, ça vient de passer, eh bien, nous justifier aux yeux de Dieu. Tout le monde, n'est-ce pas, a une possibilité pour sauver. Parce qu'on croit dans Jésus-Christ. Très, très important, bien-aimé. Pas jamais oublier ça. Donc ici encore, selon Jean 16, le verset 8, c'est le monde, donc tous les hommes. Là on dit le monde ici, tout homme qui part convaincre, tout homme qui suit la face de la terre, que l'esprit convainc de justice. Donc, quel que soit être humain qui suit la face de la terre, cet esprit a convaincu de la justice de Dieu. Même Jean montre, il convainc les hommes du péché. On prend exemple ça. Rappelle ça qui est arrivé du temps de Noé. Noé t'a prêché, Noé t'a averti les hommes, que bon Dieu, n'est-ce pas, par le fond déluge, il parle, n'est-ce pas, engloutit la terre par le déluge, l'a détruit tout ça qui existait sur la face de la terre. Mais Dieu, son Dieu qui est juste. Dieu dit Noé, n'est-ce pas, construis une arche. Et du même coup, prêcher, annoncer l'évangile là. Dis, mais ça peut arriver. Noé fait plus d'un siècle là, prêcher l'évangile. Mais il n'y a pas de quoi. Qui est-ce qui te croit seulement? C'est, n'est-ce pas, les trois fils de Noé. Belle fille Lio. Ok. Noé avec madame ni. Très, très important. Donc, n'est-ce pas, ça qui passe? Eh bien, il a passé Noé dans bêtise. Parce que quand son jouet lié, le Noé dit, la terre pas le pays pas de l'eau. Il a pas attendu. Tout le monde qui pas attendu, ça crive. Il a tout péri, bien aimé. Il a tout péri. Il en a de même. N'a vivre dans fait en ça. Nous, l'homme rebelle. Il a pas aimé présence, bon Dieu. Yo plus bas, n'est-ce pas, péché, on prend une valeur. Tout ça qui est bon, yo refuté. Tout ça qui n'est pas bon, c'est yo et accepté. C'est notre temps, ça va vivre. Nous connaissons l'homosexualité, pas bon. Nous connaissons, n'est-ce pas, le monde qui est un gène de vie apménien, son vie dissolue. Bon Dieu, pas pour plaisir la donne. Bon Dieu crée l'homme, il crée la femme. Mais l'homme, n'est-ce pas, sorti pour corriger, bon Dieu, hein, pour faire, n'est-ce pas, hormone transplant. Pour faire mon nom, n'est-ce pas, on prend une garçon pour foncer de bagages chirurgie. C'est abomination aux yeux de Dieu. Très important. Ok, bien aimé. Donc, nous, ici, n'est-ce pas, tous ceux qui sont en contact avec l'évangile doivent, une fois ou l'autre, reconnaître qu'il est la vérité et que Jésus est bien le sauveur. Donc, pas oublier, puisque l'esprit convainc nous de justice, eh bien, c'est même cet esprit-là, on prend cap convaincre non seulement monde qui mais la convaincre monde qui a accepté Jésus, la convaincre n'est-ce pas pour la vous propre, pour la vous nettoyer, la convaincre de justice, de droiture, de vérité, de prendre contact avec l'évangile. Donc une fois ou l'autre, qui ça cap passe, eh bien n'est-ce pas monde la connaît la vérité que Jésus est bien le sauveur. C'est ça qui fait que responsabilité devant Dieu. S'il refuse malgré cela le salut. Donc là, on n'a pas accepté Jésus-Christ comme son personnel, bien-aimé. Eh bien, bon Dieu n'est pas responsable.
C'est responsabilité moun sa devant mon Dieu. Parce que tu as annoncé l'évangile, li te tende message là, li connaît faut vivre une vie qui juste aux yeux de Dieu. Li connaît ça yo dit, c'est vrai, mais le pape l'accepter. Et s'il refusait, comprenez, il refusait le salut. Dès pour refuser le salut ou refuser quoi que Jésus-Christ est le bon Dieu te voyant cher, eh bien, mais n'aimez pas qu'un salut pour vous. Donc nous travail ça c'est cet esprit qui fait dans nous, la convaincre nous de juste de justice. Très très important. Bon, troisième travail que Saint-Esprit fait. Il convainc enfin de jugement. Waouh. Il convainc de jugement. Bien-aimé, on garde Jean 16, n'est-ce pas? Les versets 10 et 11. Gardez ça le dit. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Vous allez dire là, bien-aimé. La justice, parce que je vais au Père, et vous ne me verrez plus. C'est-à-dire que, mon poil dans le ciel, il faut justifier. Jésus-Christ, c'est parce que il était juste qui fait le ressusciter des morts, et il a accès auprès de Dieu, le Père, parce que pas de péché dans lui. Et puisque nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en salut, nous croyons en sacrifice-là, Dieu justifie nous tous. Nous vivons une justice, bon Dieu, en Jésus-Christ. De ce fait, nous avons accès auprès du trône de Dieu. Nous calons dans le ciel. Et pas n'importe qui parle dans le ciel. Sous l'abservi Bouddha, pas calons dans le ciel. Bouddhiste, pas calons dans le ciel. Moun kap servi, n'est-ce pas, idole, ou pas calons dans le ciel. Moun qui vaudouisant, sous pas accepter Jésus-Christ, ou pas calons dans le ciel. C'est Jésus qui la porte. C'est Jésus qui justice là. C'est dans lui pourquoi pour justifier aux yeux de Dieu. Moun n'est-ce pas qu'à faire méditation transcendantale ou pas qu'à sauver. C'est dans Christ pourquoi. Très très important. Quelle que soit religion. Religion pas qu'à sauver moun. Le salut, n'est-ce pas, ou retrouver le nom moun, dans Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Hein? Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, cet esprit a convaincu du jugement. Ouais, parce que Satan est déjà jugé. Pas de possibilité pour le sauver, il n'y a pas qu'à repentir. Donc cet esprit, le rencontre avec le monde, il convainc, il dit, mais tu ouais, si tu pas repentir, ou pas aller en enfer, ou juger. Comme nous t'avons préalable, c'est le plus gros péché au monde qu'à commettre. Ou pas accepter le salut, ou pas accepter Jésus-Christ, ou faire un cœur à la grâce de Dieu. Bon Dieu offre au salut, ou pas accepter. Et ça fait le dire dans l'hébreu, c'est pourquoi n'endurcissez pas votre cœur. Même Jean, le peuple juif est enduit cœur dans le désert là. Et ils n'ont pas entré Canaan. Attention, bien-aimé. C'est Josué à Caleb seulement qui est entré. Il vient Moïse. Dans le côté peuple là, dans faire colère, il n'est pas entré. Donc, cet esprit d'abord, l'a convaincu que ça de jugement. L'a de bon jugement qui a venu, bien-aimé. Parce que le prince de ce monde est jugé. Prince monde là, ça voit Jésus, Satan le diable, l'y juge, bien-aimé. Très important. Puisque Satan l'a jugé, et moun, n'est-ce pas, qu'un crédulio, qui pas avlé quoi autour, eh bien, qui refusait ça lui a, qui refusait, n'est-ce pas, pour, la justice de Dieu qui c'est Jésus-Christ, eh bien, moun ça, l'y condamné tout, de pour pas accepter Jésus, de pour ou pas accepter Jésus, ou recevoir ça lui, ou pas prendre, ou refuser, eh bien, de pour moun, ou pas sauver, non. Il convainc enfin de jugement. Donc, si un homme résiste, n'est-ce pas, à la double conviction que le Saint-Esprit veut mettre en lui, il sera convaincu de jugement. Ah, de pour résister, n'est-ce pas, on prend, que, n'est-ce pas, de justice, que pour sauver, il faut accepter Jésus-Christ pour rendre juste. Pour sauver, la convaincre de péché, de pour pas accepter bagaille ça, de pour résister, ou rebelle, ou pas l'accepter. Eh bien, qui ça parle passer là? Eh bien, cet esprit parle, n'est-ce pas? L'a convaincu de jugement. Parce que l'a bon jugement qui a venu, de pouvoir pas accepter Jésus-Christ ou pas sauver, bien-aimé. Bien-aimé, ça m'a dit là, il faut catégorique. Pas de mentir dans ça. Il faut strict sous ça. Il faut croire comme ça son vérité liée. Pas de possibilité, oui, n'est-ce pas? Même Jean catholique qui dit, on prend un sacré purgatoire, on prend l'homme ou non. Et même l'homme mourit, il n'y a pas de guet en sauvé, et au cabal prêt dans l'argent, on prend, il y a le prier pour nommer ça, il y a le purger peine. Tout ça, la Bible n'a pas dit pareil comme ça.
Dans Hébreux 9, 27, il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? There's no way, n'est-ce pas, ou fin mourir, ou faire contre crime, ou jeter contre petit tout, ou dans le lugar où manger moun, ou pas de gâte en repentir, ou pas accepter Jésus, et pour mourir. Et puis qu'on a là, ou à le côté prêt, après chanter, ou bagaille pour vous. Hein? Pour nous, ça a pu juger peine. Tout ces radotes, ça n'a pas écrit dans la Bible, papa. De pour mourir ou pas accepter Jésus-Christ, ou pas de gâte en n'est-ce pas faire la paix avec lui, eh bien, pas de l'autre côté parler. Ou à paix ou pas l'enfer, pas de purgatoire. Par un côté, on ne peut plus juger peine. Peine, ça, c'est dans l'enfer pour aller après le jugement dernier. On peut aller dans le feu de souffle, bien aimé. Pas de matin, ça. OK. Donc, si un homme résiste à la double conviction que le Saint-Esprit veut mettre en lui, il sera convaincu de jugement. Donc, comment savons-nous que les incrédules seront jugés? Comment nous fait qu'on est que incrédulio, n'est-ce pas, y a jugé? Parce que leur père, le diable, l'est déjà en principe. Nous sommes contre ça dans Jean 16, n'est-ce pas, le verset 11. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Qui est le prince de ce monde? Le prince de ce monde n'est autre que Satan le diable. Il est déjà jugé. Puisque il est déjà jugé, on prend. Donc, il pourra aller en enfer, pas de salut pour lui. Pas de salut pour ange déchu. Bon Dieu, pas de fait, n'est-ce pas? On prend l'enfer. Il n'a pas de créer de ça pour l'homme tel la donne. Mais c'est parce qu'on refuse quoi? Parce qu'on est incrédule. Parce qu'on ne pas quoi dans Jésus-Christ. Ou pas quoi un sacrifice calvaire là. C'est plus gros péché au monde qu'à commettre, bien aimé. Parce que c'est volontairement. Ou pas l'accepter. Donc, ainsi, il lui révèle en même temps Jésus-Christ, dont la justice et la divinité, n'est-ce pas, sont démontrées par sa résurrection. Nous sommes contre ça dans la justice, mon Dieu. Mais dans le troisième point, il convainc du jugement. Donc, moi, t'es d'où? Comment savons-nous que les incrédules seront jugés? Comment on fait qu'on ait monde qui pas quoi il y a jugé, il y a en enfer, de pour pas quoi? Parce que leur père, à savoir Satan, le diable, l'est déjà en principe, l'est déjà jugé, de pour juger, bien aimé, pas qu'un salut pour vous, de pour juger, pas qu'un salut pour vous. Leur à l'encontre, bien aimé, monde n'a fait crime non, il a prononcé sentence non, monde n'a jugé, il a dit l'est condamné. There's no way qu'a fait un bagage pour lui. Si on condamne les gens, n'est-ce pas, pour aller sur l'échappe et pour couper tête lui. Si on condamne, n'est-ce pas, pour aller sur injection, on prend. Ici, il y a un state, c'est comme ça. Il y a un crime qu'on a fait. Ils mettent sous chaise électrique, ils ont électrocuté. Il y a un pays, tout, il y a un crime qu'on fait. Ils mettent, n'est-ce pas, son bagage, ils coupent tête sur guillotine. Il y a un pays, il y a un crime qu'on fait. C'est brûler ou brûler. Très très important, bien aimé. Donc, l'homme ou pas accepter Jésus-Christ comme son personnel, même Jean Bible montre dans Jean 16, le verset 11, le prince de ce monde est déjà jugé, à savoir Satan l'est jugé déjà. Pas qu'il sauvé pour lui, il peut aller en enfer. Que le voulait, que le pas voulait. Et bien, de même, tout le monde qui rebelle, tout le monde, n'est-ce pas, qui est incrédule, qui pas voulait quoi dans le salut, qui pas voulait quoi dans le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix, ou pas accepter Jésus-Christ comme son personnel, ou pas l'autre côté pour aller, c'est en enfer. Pas gain l'autre bagam kadou son vérité lié bien aimé. Pas gain l'autre moyen pour sauver. Yo dou tous les chemins mais là haut. OK. Mais tous les chemins pas mener à Jésus-Christ. Tous les chemins pas mener au ciel. Son seul chemin, c'est Christ qui est le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par lui. Donc pour être sauvé, il faut que vous acceptiez Jésus-Christ comme votre sauveur. Il n'y a pas d'autre moyen. Bien aimé, on garde pour nous. Donc, par la croix, Christ l'a virtuellement anéanti. Jésus-Christ, par le sacrifice du calvaire, l'a dépouillé principauté, l'a dépouillé autorité. Bien aimé, on garde sa Bible, on dit, n'est-ce pas, dans Philippiens. On garde Philippiens chapitre 2. Passage ça réellement important. M'appelle pour. Philippiens chapitre 2. Regardez qui ça le dit, bien-aimé. Philippiens chapitre 2. Aujourd'hui, bien-aimé. Philippiens chapitre 2. Bon, lis pour à partir du verset 1. Tendez sa texte là, dit bien-aimé. Pour montrer qui travaille, n'est-ce pas, la mort de Jésus-Christ, qui ça le fait, Paul à quoi? Par le sacrifice du calvaire, Jésus-Christ, il est virtuellement anéanti. Bien aimé, qui ça l'anéantit là? Hein? L'œuvre du diable.
Ce même le n'est-ce pas Satan poko al dans les temps de feu de souffle et de souffle. Il est déjà jugé. Il est pour aller tôt ou tard, il peut aller. Pas que mentir dans ça. Parce que Christ est payé pour bien aimé. Pour te sauver nous, retirer nous n'est-ce pas en bas mais Satan le diable. Bon, le passage là pourtant déjà dit là. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, lui dit, rendez ma joie parfaite, et un même sentiment, un même amour, une même âme. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous, tenez-moi, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, ou en humilité, bien aimé. On continue. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort même de la croix. Et ça m'a parlé là qu'on y a là, oui. Pour la croix, Christ l'a virtuellement anéanti. Il a anéanti péché. Il dépouillé principauté. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou, oui, bien-aimé. Qui que vous soyez. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, hein, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Gros cause l'abdila, bien-aimé. Gros cause l'abdila, oui. Donc, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc, nous, n'est-ce pas Jésus-Christ, n'est-ce pas? Son travail extraordinaire qu'il t'a accompli dans Philippiens 2 là. Et souvle même garder toujours, bien aimé. Gembara Eli dit, n'est-ce pas, côté Jésus-Christ, à la croix, par le sang de sa croix, qui ça le fait pour nous? Li dépouiller principauté, li dépouiller autorité, li rendre mazora. C'est gros cause, oui, bien aimé. C'est gros cause Jésus-Christ fait pour nous là, oui. C'est ça fait moi m'avoir, bien-aimé. C'est pour nous croire dans le sacrifice calvaire. Bon, je lis ça pour vous, bien-aimé. M'appelle pour vous. Dit, n'est-ce pas? On va. Et dans le passage, ça, je crois, c'est dans. Quand il dit dépouiller principauté et autorité, bien aimé, je ne crois pas trompé, moi. C'est dans Colossiens, je crois. Dans Colossiens, il dit ça. Il dit il a dépouillé les principautés, les autorités dans les lieux célestes. Hein? Il publiquement, il livre un spectacle publiquement. Donc, puisque, n'est-ce pas, c'est à travers le sang de Jésus-Christ. Qui fait qu'on est là, qui s'est passé, toute principauté, tout esprit démoniaque, Jésus-Christ dépouillé, il dépouillé Satan, le diable, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas ah, grâce à sang qui t'est versé à la croix. C'est gros cause Jésus-Christ fait pour nous, bien-aimés. Pas jamais oublier ça. Donc, dans Hébreux 2, le verset 14, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, finit par convaincre ceux qui lui résistent que le même châtiment les atteindra lorsqu'ils seront jetés dans le feu éternel, préparé pour le diable. Et pour ses anges, ma propriété encore, dans Hébreux 2, le verset 14. On regarde Hébreux, chapitre 2, le verset 14. On regarde sa parole, bon Dieu dit. Hébreux 2, le verset 14. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Gros causé, oui, bien aimé. Ainsi donc, puisque nous-mêmes, qui c'est petit bon Dieu, nous participons au sang et à la chair, nous gagnons sang, nous gagnons chair. Eh bien, Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour te sauver nous,
eh bien, il participe lui-même également à la chair. Il vient, n'est-ce pas, il incarne. Pour être capable qui ça, hein? Que, afin que pour sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Il anéantit Satan le diable. Il anéantit la mort. Il anéantit. Bien aimé, c'est gros causé. Hein? Parce que, n'est-ce pas? Hein? Et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, Jésus-Christ anéantit la mort par sa mort. Et il dépouille les principautés. Oh, c'est gros causé. Donc, on n'a pas besoin de peur. On n'a pas besoin de peur Satan le diable. On n'a pas besoin de peur la mort. On n'a pas besoin de peur parce que la Bible dit que tout le monde qui croit dans Jésus, n'est-ce pas, on n'a pas besoin de jugement. Parce qu'on croit dans le petit bon Dieu. On croit dans le sacrifice calvaire là. Donc, le Saint-Esprit, il vient par convaincre tout le monde qui résistait oh, que le même châtiment les atteint. Les atteindra. Donc, puisque, n'est-ce pas, on refuse de croire en Jésus-Christ, eh bien, il montre au même châtiment qui est réservé à Satan le diable, à démon, oh, eh bien, il réserve à tout le monde qui est crédule, qui pas quoi dans le sacrifice là. Gros causé, bien aimé. De vous pas quoi dans Jésus-Christ, on mourit, pas qu'il y a l'autre côté pour aller. Et on en fait pour aller, oui. Sous ces francs-maçons, on pas repentir, on pas accepter Jésus. Sous ces protestants, on croit dans la religion, on croit dans la dénomination, pas quoi dans Jésus. Pas qu'il y a salut pour vous, bien aimé. Quelle que soit religion, quelle que soit dénomination, ce n'est pas Yokap Bos salut, c'est Jésus-Christ. Et dans Christ, pourquoi? Dans ce sacrifice-là. Oui, je crois à ton sacrifice. Au Jésus, agneau de Dieu. Ne vous pas croire dans Jésus qui chirant, quand n'a pas un cap de nous, bête là. C'est gros causé, oui. Donc, tout le monde qui résiste, même châtiment obtenu, il ne pas le jeter dans le feu éternel, l'étang de feu et de soufre. Et de soufre, préparé pour le diable et pour ses anges. Colline dans Matthieu 25, le verset 41. Donc, ainsi, la conviction concernant le jugement sera telle que toute bouche sera fermée. Pas oublier, conviction, ça, la convaincre de péché, de la justice et du jugement à venir. Donc, la conviction, n'est-ce pas, concernant le jugement, sera telle que toute bouche sera fermée. N'importe qui a vu une défendre tête ou dire oui, pas coupable. Non! Ou êtes convaincu dans le jugement ça, qu'on est coupable. Parce que tout Zakouyo, il prend le vide dans l'écran devant. Très important. Ou êtes mérité jugement. Ou êtes mérité pour aller dans le feu éternel. Et ça fait ce qu'on y a en repenti, bien-aimé. Ou même cap vivre mal, repenti. Ou même cap vivre dans le péché, repenti. Ou même cap baille menti, repenti. Ou même, n'est-ce pas, cap faire abortion, repenti. Ou même qui pédérasse, repenti. Ou même qui lesbienne, repenti. Ou même qui parle monde mal, repenti. Ou même qui hypocrite, repenti. Ou même qui fait 0 tour de 9, repenti. Ou même, n'est-ce pas, qui dans le lugar ou qui mange monde, repenti. Ou même qui dans la société secrète, repenti. Ou même qui fait sacrifice humain, mange cœur monde, mange viande monde, repenti. Ou même qui cannibale, repenti. Hein? Sou pas repenti, ou mourir, ou pral dans le feu éternel, ou pral en enfer. Ah, gros causé. Jour et nuit, pas de possibilité pour sauver. Ou appelé ad vitam aeternam. Donc, sans récrimination possible. Donc, nous, ça nous remet 3:19. Et que les incrédules, même dans les enfers, fléchiront les genoux avec tremblement devant celui qui l'auront rejeté. Mais pour eux, ce sera hélas trop tard. Donc, nous, n'est-ce pas, bien-aimé, même le monde périt, là, aller, n'est-ce pas, le juger, là, l'enfer. Même, n'est-ce pas, en bas, hein, il n'est pas obligé de trembler, là, mettre genou là. Bien-aimé, bon, d'un bagaille. La Bible a dit, toujours, nous, pour fléchir devant Jésus-Christ. Même le Satan passe, Satan déjà, après, il déjà jugé par l'enfer. Démon, il parle en enfer. Ange déchu par l'enfer. Monde qui pas sauvé par l'enfer. Monde qui pas obligé de fléchir genou devant Jésus-Christ, oui. Satan parle fléchir genou devant Jésus-Christ. Pas de mentir dans ça, non? C'est dans Jésus-Christ seul pour sauver, oui, bien-aimé. Et gros cause Mabdoula, oui. Bien-aimé, nous avons prêté là, dans le moment ça. Nous avons retourné, n'est-ce pas, mercredi prochain, avec série ça. Nous avons continué avec ça, les convictions du jugement. Parce que quoi vle, quoi pas vle, quoi? Sous pas accepter, sous pas accepter justice, là, pour justifier aux yeux de Dieu. Sous pas accepter son péché, cet esprit a convaincu de péché, l'a convaincu de justice, eh bien, l'a, finalement, l'a convaincu du jugement. Et sous pas repenti, vrai, sous obstiné ou entêté, eh bien, ça ne peut pas le passer. Eh bien, même bagage, ça peut nous. Le feu éternel, le jugement, on parle dans l'état de feu et de soufre. Ah, c'est gros causé, bien aimé. Bon Dieu, n'est-ce pas, son Dieu juste lié.
grand pile pasteur près là, grand pile diacre, grand pile évangéliste, grand pile dame missionnaire, grand pile madame pasteur, grand pile monde qui près là. Parce que monde c'est ôter l'église, mais c'est mon cœur. On demande bon Dieu grâce à bien-aimé pour ne pas aller dans le lieu de tourment ça. Parce que monde qui dans l'évangile, qui pas rester dans l'évangile, qui mourit mal, eh bien monde ça jugement pas le plus terrible encore et sa Bible a dit oui bien-aimé. On demande bon Dieu grâce pour nous vivre une vie de sainteté, une vie qui fait bon Dieu plaisir. Bien-aimé, moi était là à soir. Que bon Dieu bénisse nous, n'a pas retourné mercredi prochain pour une émission similaire pour nous continuer avec série ça. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde tout ce vrai bien. À bientôt. Au revoir.